Hori, horere mama, hora mwiza wanje, hora nguhenda hebe, ndagu hozeri. Hora senchuti yanje. Hora gashitsi kimana, iya kumpa irakubona. Hora mazi umusarara ahembura bavyeyi. Hora mazi umusarara. Urazi ngene bibabaje kubyara nk'umwana ugahura umwana ngo bakakugira ngo aragwaye. Umwana baguye mu mpoyo y'ibyo atazi. Ariko rero biraryoshe n'ukuri ihabwo n'Imana yokora bikagarukira hanyene abandi yo kwa barahitije kwandura abandi bose bakacha babaho mu buzima bwabo bakomeye. Nkubagira kabiri ni byiswe ko nibarutse. Vous avez vu, il y a une fierté énorme de voir des mamans qui, dans le temps, être vivant avec le VIH voulait dire tout simplement la mort. Aujourd'hui, il est possible que ces mamans, ces couples aient des enfants. C'est qui les accroche à la vie parce que quand on a un enfant, on le sait, on s'accroche à la vie pour la voir grandir. Yindi iteze ibiganza ntiwanyirije kuzuba. Les mamans n'ont pas les moyens d'avoir des accompagnants et c'est ça qui nous a poussé à nous dire on va faire tout le processus jusqu'à l'accouchement et notre projet de construire une maternité ça s'inscrit dans ce programme d'arriver à contribuer et c'est un défi, c'est un rêve. D'éliminer la transmission de la mère à l'enfant au Burundi. Avoir les traitements dans nos pays, c'était un rêve. Et nous avons rêvé, et notre rêve est devenu réalité. Nous osons croire que notre rêve d'avoir une maternité, d'avoir une génération sans sida au Burundi, pourrait être une réalité, mais c'est grâce à tout un chacun, à la générosité des gens. Et la générosité, comme j'aime le dire, c'est de donner sans attendre un retour. C'est de donner à tous ces gens-là qu'on ne connaît pas. Kandi si twebwe twenyine n'abandi bose byoborohera kuko nka anyi umuntu agwaye akajya ahantu hatandukanye iyo muza wa karede muza pireshereja muza kirinike aba nabo baca baguma bigora n'ubundi bafata imamodokari n'ibitoro muri ko atari ibintu bishobora korohereza umuntu wari we wese mugere mu byo bitaro byaba biri ngaha wa manya kugira ngo tugure igitoro cyangwa tugende kureba wa muntu baca bitwara ko gusumba kubera aba ari il hafia la construction ça coûtera à peu près à 900 millions de francs burundais mais nous avons déjà l'accord de FUNOAP pour l'équipement et nous pensons que c'est un programme qui trouvera et c'est l'occasion de faire appel à tout le monde. Si une personne donne 10 dollars, il aura mis deux pierres. Il aura mis deux briques. Et c'est ces briques qui vont monter et qui vont faire cet hôpital. Donc toute action, tout apport est toujours appréciable. Et nous sommes et nous voudrons que les Burundais, les amis des Burundais s'approprient ce projet pour montrer que nous n'attendons pas toujours l'extérieur. Et c'est un projet ambitieux parce qu'on voudrait en faire un projet de la sous-région, faire une démonstration. Et c'est possible. Et nous avons la capacité, nous avons l'expertise, nous voulons juste que les gens nous accompagnent et qu'ils rêvent avec nous. C'est la fierté quand je vois tous ces enfants, tous ces mamans qui aujourd'hui peuvent avoir tout simplement des enfants qui sont considérés comme tout simplement des femmes avant d'être des femmes infectées. Et j'aimerais que les gens nous aident à les aider parce que, je vous assure, vous auriez des bénédictions. Et merci encore, soyez bénis et que Dieu vous rende au centuple ce que vous allez donner
à notre centre ce que vous allez donner pour nous permettre de réaliser notre rêve.